esprit de quartier au fin. Bonsoir tout le monde. Moi c'est Isaac Léo, moi c'est journaliste Fernando Live. Moi j'ai alors deux questions par contre, vous êtes tous les deux. Vous seul? Ok. Moi j'ai une question pour pour tout le monde. Okay. Nous parlons d'insécurité, hein? Nous tout accentué sur lui. Dans le même qu'on et qui plan nous gagner vraiment pour nous attaquer l'insécurité. Parce que nous sommes sénateurs, tu dit, et depuis le président Jovenel Moïse va là, sécurité à Kaba. Ça veut dire que c'est parce qu'il y a un plan déjà, dans les mains, surtout besoin de réponse sur la question ça, qui plan nous gagner pour. Bonhiver Claude, et puis Jean-Isruit Cartier-Offin, c'est 415. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Isaac Léo, moi, c'est journaliste Fernando Live. Moi, j'ai alors deux questions par contre, si vous avez posé tous les deux. Vous seul? Ok. Moi, j'ai une question pour. Pour tout le monde. Okay. Nous parlons d'insécurité, hein? Nous tout accentué sur lui. Nous avons même connu qui plan nous gagner vraiment pour nous attaquer l'insécurité. Hein? Parce que nous sommes sénateurs, tu dit. Et depuis le président Jovenel Moïse va là, sécurité à Kaba. Ça veut dire que c'est parce qu'il y a un plan déjà, dans les mains, surtout besoin de réponse sur la question ça, qui plan nous gagner pour causer insécurité. Merci. Nous allons faire un petit peu picoute. Messieurs, on va nous 2 minutes pour nous répondre, nous chaque. Rapidement. On a commencé fois ça avec M. Buteau. On a commencé par plus ou moins parler de ça, mais m'a essayé de parler très vite, je sais 2 minutes moins rien combien. Hein? Premier barème, on te dit, plan, bataille contre la sécurité, il y a deux coquins chaînes volées. Et yon pas exclu l'autre, mais simplement yon qui est avant l'autre. C'est question aspect frontal avec Dangyo. Et deuxième aspect, c'est réparation quand même qui est pour faire dans les différents côtés, ça les zones de nos droits. Nous-mêmes, nous pensons que, et vraiment, ça n'a pas existé aujourd'hui, hier, ça c'est pas insécurité, c'est chaos. Nous disons bonheur, on a fait assise de, on a convoqué toute force vive dans le pays. Les gens qui ont action, les entrepreneurs, etc., pour nous faire les assises de la sécurité nationale. Deuxième bagarre, nous dit création d'une brigade entièrement dédiée à la lutte contre les groupes armés illégaux. Nous fait renforcement police judiciaire, notre mission de répression avec le crime organisé, avec moyens financiers et technologiques. Quatrièmement, renforcement UCREF. Pour regarder qui côté l'argent et sécurité a fourni pour école dans le système économique, dans le système bancaire noir, parce que ce n'est pas impossible que l'argent kidnapping soit lavé dans le système financier noir. Donc ça a fait déterminer et là porte un gros couteau. Nous dit également contrôle strict des ports, y compris les ports privés. Également nous dit création d'une agence frontalière. Qui parle de regrouper service immigration, service des douanes et puis protection frontalière. Na, la vivre bagage. Pas oublier, nous toujours dit, pendant que tout bagage a fait, en dedans primature que moi dirige, et je suis que, avec clairvoyance et avec compétence politique, moi, nous finissons par nous compte, pas même quoi nous avons continué à parler, nous finissons par nous compte que c'est moi-même qui a fait le job ça, vraiment. Merci, Monsieur Benoît. Monsieur Buteau, pardon. N'a pas dit qu'on est à vous, Monsieur Benoît, justement, pour la parole. Alors, m'a salué le reporter Fernando Live là. Et Fernando, son gros reporter sur l'intellectuel de haut niveau. Si vous parlez, vous dites, mais ça me dit, je pense que pour habiter intellectuel, fait pour passer toute vidéo. Moi-même, ça me dit, je me d'elle et m'a dit, ça me dit dans la vidéo. Je dis, régime ça, régime criminel ça, régime PHTK, ça me dit dans la vidéo, pour m'a noir sous mes papiers, non à la corruption, non à la répété. Je dis, gagnon, c'est gagnon d'État. Je dis, président, a soutenu gagnon. Je dis, si régime PHTK pas là,
qui représente le moment de parler à Jovenel Moïse, si moun sa yo pas là encore, problème sécurité a résout à moitié, parce que c'est yo qui supporte gagne, c'est yo qui paye aux armes, c'est yo qui paye aux munitions. Ce n'est pas ni Fernando, ni moi-même, ni Dr. Buto, ni Théophile, ni Bonivier Claude, ni nous-mêmes qui sommes là, assistance pacifique ça. C'est l'État qui finance les gangs. Je dis, le yon bala, mon premier moitié qui disparaît de la nature. L'autre moitié, je dis, et maintenant, une police qui est renforcée, une police nationale qui est mise en confiance, un petit arme qui est en brion de mise en confiance, qui est un leadership éclairé, responsable, non corrompu, qui accompagne yon, nous dit, bataille contre gang yon, li pa le fait sans merci, et gang yon a deux barres de nous faire. Remettre zam yon, vine payer pour crime yon faire, selon violon fille ou violon fille ou violon moun, faut payer. Ça m'a dit, maman, tout petit moun sa yon, mais jeune femme, jeune garçon qui assassine yon. Ça m'a dit, papa, c'est tiré, maman, c'est tiré. Faut que justice pa yon. Et moi dit, reste récalcitrant qui décide la goumen, et bien moi dit, c'est goumen lié tonton. N'a pas coumé avant, ou à mourir. C'est ça, me dit. On va mourir avant. Et là, il y a un petit job, ça, et pas les points. Merci, monsieur Benoît. Dans plusieurs pays en Amérique du Sud, ça a eu les féminicides. Féminicides, ils ont pénalisé plus que j'en ai qu'on pénalisé longtemps, et ils ont pénalisé plus que des peines qui égales à n'importe quel autre homicide. Et il y a un autre bagage et tout. Nous ne pouvons pas parler de vie, et moi je pense que, en tant que monde moderne que nous sommes, nous voulons construire un pays moderne. Les femmes ont des droits à coller. Nous avons plein de femmes qui ont réalisé des manœuvres abortives, pardon, dans des situations extrêmement insalubres. Ça fait que la santé est affectée. Ils ont mouru tout. Et ils viennent dans la spécialité, par même qu'on est, Dr. Jean-Charles, qu'on est tout, dans l'avortement sceptique, ils viennent tomber dans la dialyse. Nous pensons que, même si c'est dans la conférence nationale là, question de droit à l'avortement, de droit pour comme d'un disagrément de pro-choice, en faveur du choix ou bien en faveur de la vie, c'est pas qu'un quel d'un secteur de casse ou bien de qui pour décider sous Marie-Saël. C'est la loi et nous demandons des femmes pour avancer dans ça. Peut-être qu'on n'a pas parlé suffisamment de lui, droit pour décider de corps, qui sont qu'à faire corps. Donc, et moi-même, ça, c'est on l'a volé encore. Dans le programme de lutte contre l'insécurité, nous avons volé qui est des interventions sociales dans les quartiers, c'est-à-dire investissement dans l'économie sociale et solidaire dans les quartiers, côté que famille a potomité là-dedans, côté que nous valorisé l'activité dans les quartiers. Donc, il y a non seulement c'est pas seulement des gens qui travaillent, il y a fait entrepreneuriat dans l'économie sociale et solidaire. Il y a propriété dans ces zones pour réduire. Merci, M. Buteau. On va passer la parole à M. Benoît. Merci. Bilan clair. Expérience moins. Mettez à vous des preuves déjà. 4 ans dans la chambre députée, même commission doit prendre. Avec feu député, Gérandal Delusma, député de Gourmand, qui était un député extraordinaire pour vision, pour combativité. Je ne vais pas rater une réunion de femmes, donc toutes les ministres sont féminines qui étaient passées devant le Parlement. Il y a même les 2 personnes dans la commission, ou 3 personnes, Steven Benoît Chita, à côté président de la commission, député Gérandal. Ça, c'est bilan. Et nous-mêmes, nous allons plus loin. Et le Sénat, comme la commission, ça va fonctionner en pile, donc. Pas de trois gros bilans, mais sénateur Richet, bien que mal été président de la commission, l'homme capable de réunion fait, mais pas de grand réunion. Maintenant, même comme je dis, moi je rencontre les dames, et sur l'association femme, que le sofa, que les guests marron, et nous parlons à plusieurs mounes, et nous pouvons parler à madame, et nous parler via Zoom, et pour nous face à face. Et moi, j'ai une promesse pour faire, clairement. Et m'écrit en 2019, et mon dana, ou est-ce que vous la donne? Dès que vous parlez spécifiquement, moi pour parité. A faire ou pas impression, à faire charité, ou à péter un tiers et 30%. Moi dis non. Nous parlons du premier gouvernement qui a gagné parité dans le gouvernement homme-femme. Et nous parlons essayer comment pour contre moi à gagner. C'est passé, bien sûr. Comment gagner
au collège présidentiel, nous allons goûter pour direction générale, tout homme-femme. Et mal pile moins toujours. Haïti, pourquoi j'aime bien une femme ministre justice? Haïti, pourquoi j'aime bien une femme ministre intérieur? Pour qui ça? Pourquoi qui ça? On va chercher nous. Hein? Et pour ça, on le sait bien. Donc, je veux dire là, femme, yo, effectivement, il n'y a pas sans pile misère. Mais si vous êtes ministre justice, femme, déjà, c'est moi qui, je ne vais pas dire le bras pour femme, mais c'est moi qui extraordinaire, qui a eu un monde qui a milité dans le droit humain, qui a milité dans le droit femme, qui vient de ministre justice. Ça, c'est un bagage extraordinaire pour Haïti et pour standing nous-mêmes dans la lutte pour le droit. Troisième bagage, je dis, donc, mon capitaine de l'eau, mon petit maquis, mon qui est en justice, peut-être vous faites un côté sous vous, peut-être vous recommandez trois femmes ou pensez qu'à faire, vous-même, vous ne pouvez pas respondre, trois femmes ou pensez qu'à faire un premier ministre justice. Et, reste mon qui est dans la collectivité territoriale, surtout mon qui travaille dans le SIAC, bon, moi, trois femmes, nous pensons qu'ils comptent la collectivité territoriale bien, parce que une n'a pas aimé quoi là-dedans, c'est indépendance collectivité territoriale. Mais la faute de Joseph qui l'a, mais monsieur connaît bataille à mener pour collectivité territoriale, à faire la République de progresser pour le camper. Et, dernier bain, m'a dit, loi sous parti politique, nous parlons là, on tout prévoit là-dedans, nous parlons limiter le nombre de partis politiques, et le parti politique va présenter la liste candidat, on nous dit, dans la liste là, il faut gagner 50% de candidats femmes, et si le peuple n'a pas voté, ça sont l'autre bagaille, on tout prévoit. 50% de candidats femmes et dernier point bleu faire et qui fait mal en pile avec un garçon coiffé à vous il fait ça lui après on va battre comme non quand on va battre ça quand on va battre comme non. Merci monsieur Benoît. Nous allons inviter les membres de l'assemblée comme vous avez dit nous pour être capable de poser une question. Je conteste. Monsieur Bastien est dirigeant de Asso, votre candidat est là, c'est votre porte-parole, qui était porte-parole ou parlez pour vous. Respectez les jouets là, monsieur. Respectez les jouets là, monsieur Bastien. Respectez les jouets là. Il y a trois mouns là. Mouns là. Là. Merci. C'est une question qui est fondamentale et c'est une question qui toujours est préoccupée. Non? Premièrement, nous avons dit notre cadre de réflexion nous dégagé autour des questions. Ça, nous avons dit nous avons préservé le quota 30% qui fait à l'égard des femmes. Et nous avons travaillé pour nous encourager et faciliter ces égalités des chances qui primaient. Égalité des chances qui primaient. Moi-même, je trouvais la normale pour que vous mettez dans la loi un quota. Pour moi, c'est une sorte de discrimination positive par le fait que vous mettez quota pour femmes. Filles et garçons doivent avoir le même droit. Pour moi, c'est des gens qui doivent gagner et divergence sur question ça. Et participation, c'est pour te parler des violences qui fait qu'on fait souffrance. Je dis, par rapport à la tradition en d'un pays, moi-même, je pensais qu'il y a un travail qui vous fait. Travail là, c'est un travail de formation, de sensibilisation, de compréhension. Parce que généralement, si on apprend l'histoire, il était toujours quitté femme l'encaille, il y a des garçons à l'école, et puis il est inculqué dans l'imaginaire collectif, nous, et puis nous pensons que c'est ça qui est cadre normal. Moi-même, en tant que chef de gouvernement, m'a priorisé l'égalité des gens. Pour permettre au résoudre question de violence faite aux femmes, il faut retourner dans la loi. La loi va faire distinction ça. Faut la loi l'appliquer pour tout le monde.
qui ont des garçons, qui ont des femmes, ou violé, une femme qui a violé un droit garçon, et bien là, ça passe pas devant la juridiction répressive. Un garçon violé droit une femme, il passe pas devant la juridiction répressive, sans distinction des sexes, des religions, des races et la trier. Donc, sous base ça, moi-même, dans le gouvernement, m'a dirigé, Fio gagne droit à l'égalité des chances et des droits. Pas à sortir de là. Merci, M. Théophrène. N'a pas la parole à M. Claude. 3 minutes sous question. Moi, j'ai appuyé position, M. Théophrène. Moi-même, je suis toujours partisan pour que garçon et fille gagnent même droit. Cependant, gon problème en Haïti. Fille pour compte yo, yo constitue un obstacle à ce que vous capable appliquer règle quota 30% parce que yo pas impliqué assez. Gon gros travail qui vous faites par association Femio et particulièrement par le ministère de la condition féminine pour porter les femmes à s'engager. Le gouvernement au niveau Claude, là le gouvernement qui baille toutes les chances aux femmes. Et particulièrement dans le domaine économique, parce que c'est femme qui porte l'économie pays à sous jour. Problème violent sur les femmes, il n'est pas qu'à résoudre sans que nous ne résoudre le problème et impunité. Tant que dans le pays, les gens ou fait ou bagaille, ou causer une infraction, ils ne pas pénaliser, ou pas sanction contre eux. On va appliquer sanctions, eh bien, on a toujours continué les infractions à la loi. Moi-même, un partisan de mesures strictes, rigides, pour sanctionner ces cas-là. Et bien que nous sommes en période de transition, l'accord Montana n'a pas de possibilité pour nous intervenir, parce que l'accord Montana prévoit que nous avons au CTA qui va jouer le rôle de parlement, gouvernement l'a dirigé par décret et ces décrets seront ratifiés par l'OCT. Je vous donne la garantie que moi, Premier ministre, vous allez voir qu'il y a des décrets qui vont être pris pour réprimer la violation contre les femmes. Oui, pour réprimer la violence qui est faite aux femmes, le viol des femmes et le meurtre des femmes, etc. Ensuite, sur le plan économique, on a intervenu, on a créé des incitatifs au niveau de la Banque centrale, on a des banques centrales là pour créer des incitatifs, parce que nous ne sommes pas capables de ne pas le faire. La Banque centrale, théoriquement, la Banque centrale elle doit être indépendante, bien qu'en Haïti, nous connaissons que l'indépendance de la Banque centrale là n'est pas tout à fait appliquée. Mais, nous avons des banques centrales là, parce que les banques centrales là, c'est le programme d'encouragement à l'investissement pour permettre aux femmes d'accroître leurs revenus et d'investir dans des petites et moyennes entreprises. Donc les femmes seront encadrées sous un gouvernement Bonnivert. Merci M. Bonnivert. Claude, on a passé la parole qu'on y a à M. Buteau. Bon, courant politique que nous en fait évoluons, nous connaissons que c'est là. Tout combat femme est sorti depuis 1917, nous avons pris le monde comme Koukla Zepke, nous avons pris Rosa Luxembourg, c'est là que la femme est sorti. Donc, nous ne sommes pas seulement connus, mais nous profondément partagés, c'est-à-dire que c'est compagnie de lutte, c'est pas une question de dire m'a fait ça, m'a fait ci. Particulièrement, nous pensons que, et gouverneur Claude a parlé de l'économie, nous-mêmes nous pensons que non seulement doit au travail, mais il y a justement traitement dans le travail. Et ça reconnaît en français harcèlement dans le travail. Ça reconnaît tout, et m'a dit, inégalité dans le salaire, inégalité dans le revenu pour le même travail que femme yon faire. Je pense que depuis là, pour nous commencer à aborder. Également, pour nous, on a remarqué que violence, c'est avec une forme de désinvolture, une forme de facilité que le monde fait violence sur femme. Nous souhaitons, et n'a fortement travaillé sur ça, même si nous ne sommes pas capables de faire loi, mais nous souhaitons que la pénalisation sous violence faite aux femmes devienne encore plus pour l'augmenter. C'est ça que fait par exemple. Bonhiver Claude,
et puis j'instruis qu'à Théophane, c'est quatre candidats. Bonsoir tout le monde. Moi c'est Isaac Léo, moi c'est journaliste Fernando Live. Moi j'ai alors deux questions par contre, je vais vous poser toutes les deux. Vous seul? Ok. Moi j'ai une question pour tout le monde. Nous parlons de l'insécurité, hein? Nous tout accentuer sur lui. Nous avons mis qu'on est et qui plan nous gagner vraiment pour attaquer l'insécurité. Hein? Parce que nous sommes sénateurs, tu as dit, et depuis le président Jovenel Moïse va là, sécurité à Kaba. Ça veut dire c'est parce qu'elle a un plan déjà. Nous avons mis, surtout besoin de réponse sur la question ça, qui plan nous gagner pour causer l'insécurité. Hein? Merci. Nous allons faire un petit peu picoute. Messieurs, je vais vous donner deux minutes pour répondre à nos chats. Rapidement. Nous allons commencer fois ça avec M. Buteau. Je vais commencer par plus ou moins parler de ça. Je m'a fait parler très vite, je sais deux minutes moins rien combien. Hein? Premier barrière, moi, je te dis, plan, bataille contre l'insécurité, il y a deux coquelles chaînes volées. Et une pas exclue l'autre, mais simplement, il y a une qui est avant l'autre. C'est question aspect frontal avec Damio. Et deuxième aspect, là, c'est réparation quand même qui est pour faire dans les différents côtés, ça y les zones de nos droits. Nous-mêmes, nous pensons que. Et vraiment, ça n'a pas assisté aujourd'hui, hier. Ça, c'est pas une sécurité, c'est chaos. Nous dit bonheur, on a fait assise de, on a convoqué toute force vive dans le pays, les gens qui ont action, les entrepreneurs, etc., pour nous faire les assises de la sécurité nationale. Deuxième bagarre, on a fait, nous dit, création d'une brigade entièrement dédiée à la lutte contre les groupes armés illégaux. Nous avons fait renforcement pour les judiciaires, la mission de répression avec le crime organisé, avec moyens financiers et technologiques. Quatrièmement, renforcement du CREF pour regarder qui côté l'argent et sécurité a fourni pour école dans le système économique, dans le système bancaire noir, parce que ce n'est pas impossible que l'argent kidnappé soit lavé dans le système financier noir. Donc ça a fait déterminer et là porte un gros couteau. Nous dit également contrôle strict des ports, y compris les ports privés. Également nous dit création d'une agence frontalière qui va regrouper services immigration, services des douanes et de protection frontalière. La vie des bagages. Pas oublier, nous toujours dit, pendant que tout bagage sera fait, en dedans primature que moi diriger, et je suis que. Avec clairvoyance et avec compétence politique, nous finissons par nous compte, pas même quoi de continuer à parler, nous finissons par nous compte que c'est moi-même qui a fait le job, ça, vraiment. Merci, M. Benoît. Monsieur Buteau, pardon. N'abandonnez qu'on y a pour M. Benoît, justement, pour la parole. Alors, m'a salué et reporter Fernando Live là. Et Fernando, son gros reporter, son intellectuel de haut niveau. Si on parle, on dit, mais ça me dit, je pense que pour habiter intellectuel, fait pour passer toute vidéo. Je même ça me dit, je me crampe derrière et je dis où ça me dit dans la vidéo. Je dis régime ça, régime criminel ça, régime PHTK, ça me dit dans la vidéo, pour ma renoir sous ma tape, non à la corruption, non à la réputé. Je dis, gagnon c'est gagnon d'État. Je dis, président, absolument gagnon. Moi dis, si le régime PHTK pas là, qui représente le moment où tu as parlé à Jovenel Moïse, si Mounsa yo pas là encore, problème sécurité à résoudre à moitié, parce que c'est yo qui a supporté Gagnon, c'est yo qui a parlé aux armes, c'est yo qui a parlé aux munitions. Ce n'est pas ni Fernando, ni moi-même, ni Dr. Buteau, ni Théophile, ni Bonivier Claude, ni nous-mêmes qui sommes là, assistance pacifique ça. C'est l'État qui a financé gang. Moi, je dis, l'heure où là, mon premier moitié qui a disparu de la nature. L'autre moitié, je dis, et maintenant, une police qui est renforcée, une police nationale qui est mise en confiance, une petite armée qui est en brillant de guerre, qui est mise en confiance, qui est un leadership éclairé, responsable, non corrompu, qui a accompagné, nous dit,
bataille contre Gagnon, li pral fait sans merci et Gagnon a deux bagages pour faire. Remettre Zamio, vin payer pour crime yo faire selon violon fille ou violon fille ou violer moun faut payer. Ça me pas dit maman tout petit moun ça yo mais jeune femme jeune garçon qui assassiné yo. Ça me pas dit papa c'est tiré. Maman c'est tiré. Faut que justice ba lui. Et moi dit reste récalcitrant qui décide la goumé et ben moi dit c'est goumé lié tonton. N'a pas goumé avant ou va mourir. C'est ça me dit. On va mourir avant. Et là que petit drop ça et parler pas comme ça. Merci monsieur Benoît. Dans plusieurs pays en Amérique du Sud, ça a eu les féminicides, féminicides, ont pénalisé plus que gens qui ont pénalisé longtemps et ont pénalisé plus que des peines qui égales à n'importe quel autre homicide. Et il y a l'autre bagaille tout. Nous ne pouvons pas parler de vie et même penser que en tant que monde moderne que nous y est, nous voulons construire un pays moderne, femmes ont droit à quoi. Nous avons une bonne femme qui a réalisé des manœuvres abortives, pardon, dans des situations extrêmement insalubres. Ça fait que la santé est affectée. Ils mourent tout. Et ils viennent dans la spécialité, par exemple, Dr. Jean-Charles connaît tout, dans l'avortement sceptique, ils viennent tomber dans la dialyse. Nous pensons que, même si c'est dans la conférence nationale, la question de droit à l'avortement, de droit pour, comme on a dit, ça, de pro-choice, enfin, en faveur du choix ou bien en faveur de la vie, c'est pas qu'un quelconque secteur de casse ou bien de qui pour décider sous Marseille. C'est la loi et nous demandons des femmes pour avancer dans ça. Peut-être que vous pas parlé suffisamment de lui, droit pour décider de corps, qui sont qu'à faire corps. Donc, moi-même, ça, c'est on l'a volé encore. Dans le programme dans la lutte contre l'insécurité, nous avons un volet qui est des interventions sociales dans les quartiers, c'est-à-dire investissement dans l'économie sociale et solidaire dans les quartiers, côté que femmes ont produit dans la donne, côté que nous valorisé l'activité dans les quartiers. Donc, il y a non seulement des pas seulement des gens qui travaillent, il y a fait entrepreneuriat dans l'économie sociale et solidaire. Il y a propriété dans ces zones pour réduire. Merci M. Buteau. On va passer la parole qu'on a à M. Benoît. Merci. Bilan clair. Expérience moins, mettez à vous des preuves déjà. 4 ans dans la chambre députée, membre commission, doit femme. Avec feu député, Gérandal de Luspa, député de Gourmand, qui était un député extraordinaire pour vision, pour combativité. Barre ou réunion de femmes, donc toutes ministres sont féminines qui étaient passées devant le Parlement. Il y a même les 2 personnes dans la commission, 3 personnes, Steven Benoît Chita, à côté président de la commission, député Gérandal. Ça, c'est bilan. Et nous-mêmes, on allait plus loin. Et le Sénat, comme la commission, ça va fonctionner en pile. Donc, pas de 3 gros bilans, mais le sénateur Richetta, bien que mal était président de la commission, l'homme capable de réunion faite, mais pas de grand pile réunion. Maintenant, même comment elle m'a dit, moi, je rencontre mesdames, et sur l'association femme, que le sofa, que les guests marrons, et nous parlons à plusieurs mounes, et nous pouvons parler à madame, et nous parler via Zoom, et nous pouvons faire face à face. Et même nous avons promesse pour faire, clairement. Et m'écrit en 2019, et mon dada, où est-ce que vous la donne, mais que pas dit spécifiquement, moi pour parité. À faire ou pas impression, à faire charité, ou à péter un tiers et 30%. Mais moi, je dis non. Nous parlons du premier gouvernement qui a gagné parité dans le gouvernement homme-femme. Et nous parlons essayer comme nous avons gagné. C'est le passé, bien sûr. Comme nous avons gagné un collège présidentiel, nous parlons du gouvernement pour direction générale de tout homme-femme. Et mal plus loin toujours. Haïti, pourquoi j'aime bien une femme ministre de justice? Haïti, pourquoi j'aime bien une femme ministre de intérieur? Pour qui ça? Pourquoi ça? On va chercher moi. Et pour les arbres, on c'est bien. Donc, et. Je veux dire là, femmes, effectivement, ils ne pas s'empiliser. Tout le ministre de justice, femmes, déjà, c'est moi qui, je ne vais pas dire le prendre pour femmes, mais c'est moi qui, extraordinaire, qui a un monde qui va militer dans le droit humain, qui va militer dans le droit femme, qui vient le ministre de justice. Ça, c'est un bagage extraordinaire pour Haïti et pour standing nous-mêmes dans la lutte pour le droit humain. Troisième bagage, je me dis,
Donc, mon capteur de l'eau, mon petit maquis, mon qui n'a justice, peut-être vous faites un poté sous vous, peut-être vous ramenez trois femmes ou passez à faire vous-même. Et bon, respect, mais vous trois femmes ou passez à faire un premier ministre justice. Et reste mon qui n'a collectivité territoriale, surtout mon qui travaille dans le SIAC. Bon, moi, toi, nos femmes, nous pensons qu'ils comptent collectivité territoriale au bien, parce que l'une de mes amies croit là-dedans, c'est indépendance collectivité territoriale. Mais la faute de Joseph qui l'a, mais monsieur, qu'on est bataille à mener pour collectivité territoriale, à faire la République de progression pour le camper. Et, dernier, il m'a dit, loi sous parti politique, nous parlons là, en tout prévoir là-dedans, nous parlons limiter le nombre de partis politiques, et le parti politique qui va présenter liste candidat, on nous dit, dans la liste là, il faut avoir 50% de candidats femmes, si le peuple n'a pas voté, ça sont l'autre bagaille, en tout prévoir, 50% de candidats femmes, et dernier point de faire, et qui fait mal en pile, avec un garçon, quoi à vous lui, il fait ça lui. Après, on va battre femme, non. Quand on va battre ça. Quand on va battre femme, non. Merci, monsieur Benoît. Nous allons inviter un membre de l'Assemblée, hein, comme vous avez dit, pour nous être capable de poser une question. Monsieur Bassin, dirigeant de ASSO, votre candidat est là, c'est votre porte-parole, qui était porte-parole ou parlez pour vous. Respectez les jouets là, monsieur. Respectez les jouets là, monsieur Bassin. Respectez les jouets là. Il y a trois mouns là. Vous m'avez là. Merci. C'est une question qui est fondamentale et c'est une question qui est toujours préoccupée, non? Premièrement, nous avons dit notre cadre de réflexion nous dégagé autour des questions. Ça, nous avons dit, nous avons préservé le quota 30% qui fait à l'égard des femmes. Et nous avons travaillé pour nous encourager et faciliter ces égalités des chances qui primaient. Égalité des chances qui primaient. Moi-même, trouver la normale pour que vous mettez dans une loi un quota. Pour moi, c'est une sorte de discrimination positive par le fait que vous mettez quota pour femmes. Filles et garçons doivent avoir le même droit. Pour moi, c'est des gens qui doivent gagner et divergence sur question ça. Et participation. On te parle des violences qui fait, qu'on fait souffrance. Je dis, par rapport à la tradition, en d'un pays, moi-même, je pensais qu'il y a un travail.